Bonsoir, je suis Leonardo Vaquero, le directeur général du Palm Camayen. Bon, l'hôtel Palm Camayen, comme vous savez, c'est un hôtel historique de la Guinée. Il est là depuis 1964. Et depuis l'année 2013, c'est les premières 5 étoiles de l'histoire de la Guinée. Donc c'est un hôtel qui est parmi nous depuis plusieurs années. Et on est présent pas seulement dans les secteurs hôteliers, mais aussi on est un acteur majeur dans les mondes de la culture, du showbiz, de la musique, de l'art. Et où on travaille en tant que sponsor, que mécène et producteur des différents types de spectacles. Bon, l'idée cette année, c'était, vous savez que depuis 2013, on a fait venir les 31 des grands stars africaines. Papa Wemba était là, et Vivien Ondour, Salif Keita, Kassaf. Cette année, on trouvait que c'était les mêmes années, on fêtait les 5e anniversaire de l'hôtel et les 60 ans de l'indépendance de la Guinée. Donc c'était un moment important. Donc pour nous, on voulait remarquer cette date et pour la première fois faire un événement 100% guinéen. Et l'objectif, c'était de mettre en valeur la culture guinéenne et montrer au public qui vient, que c'est des publics récurrents qui viennent toutes les années, on a entre 600 et 700 personnes, et montrer et que la culture guinéenne est à l'auteur des grands artistes internationaux. Donc l'exemple, c'est la nouvelle génération qui est là. Que notre objectif, c'était aussi de passer les flambeaux de l'ancienne génération représentée par Mori Kanté et pour Sékou Babampino, que son personne va discuter le parcours professionnel de ces deux grands artistes, mais avoir la nouvelle génération pour montrer qu'en Guinée, la culture et les talents continuent. Ils sont là, il faut les encourager. Donc on a un Kandiakora Soulbanks qui vient de recevoir l'année dernière les prix découverts des RFI et Kadi Diop. Donc c'est pour nous, c'est important que cette année soit marquée comme une année dédiée à la culture de Guinée. Bon, les étrangers qui viennent venir en Guinée, et surtout, et on a beaucoup d'étrangers qui viennent pour faire des business, c'est très important, et pour les entreprises qui viennent, et aussi pour nous, pour les pays, pour les Guinéens, la création d'emplois, le développement économique, c'est très important, mais c'est aussi très important que les étrangers apprennent à se mêler et vivre la culture du pays. Parfois, on est toujours étranger. On ne partage pas la culture, on ne partage pas les racines du pays. Et je pense que pour les étrangers, c'est très important de comprendre la réalité, l'histoire, la culture, les racines du pays. Donc pour eux, c'est un message de la même façon que les Guinéens, on a besoin d'ouvrir notre vision. C'est aussi important pour les étrangers d'ouvrir sa vision. Donc c'est une relation de partage, que c'est ça qui va enrichir les relations pour l'étranger et pour les nationales. Et je crois que c'est un point très important que les étrangers doivent comprendre, de vraiment vivre, sentir la culture et l'histoire du pays.